L'état d'urgence dans Baltimore après effondrement pont Francis Scott Key, qui la cause suspension transport maritime dans zone là pendant secourir à chercher survivants. Haïti impasse pour conseil présidentiel transition avec mésentente interne sans blier retrait ou démission quelques membres dernier c'est René Jean Jumeau. Haïti toujours bandit armé continue à semer l'intérêt côté y a pillé et boulé bâtiments institutions publiques et privées. Et oui, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous parle développer pour bonjour, bonsoir à tout le monde de Madame Mana qui l'est et qui côté wap tande et puis garder en même temps vidéo ça. Bienvenue l'autre fois encore pour édition VOA Creole et spécial ça que nous portons pour côté nous parle fort tande édition La Voix de l'Amérique pour aujourd'hui. Mais quelque dans l'autre grand point cap domine actualité que n'a ajouté pour que nous déjà porter dans édition ça, n'a faut qu'on ait 481 organisations mélangées avec plusieurs avocats dans domaine immigration écrit hier mardi qui sont passé là administration Biden là pour mander pour prolonger ou bien TPS haïtien qui vivent dans pays ici là. Ancien député Cholchès ainsi lui-même li jwenn libération li jeudi mercredi 27 mars 2024 là après le te fin sorti dans cabinet description n'a vin avec détail pour dirijan nèg yo magouye yo coquin. Et bien de l'autre côté tout n'a faut connait et bien ex ministre Jean-René Jumeau lui-même li remplacé bien rapide là dans conseil présidentiel là par agronome Abraham Régine n'a porté tout détail ça yo pour qui donc point ça en pile l'autre que nous porter pour dans édition VOA Creole ça. Mais avant même nous rentrer dans point ça, pas oublier c'est pour la première fois que vous tombez sur channel là, abonnez-vous avec channel là et activez la cloche notification là pour pas rater aucune vidéo n'a gagner pour nous porter pour sur channel si là. Pas oublier quitter un like sur vidéo et partager vidéo à tout avec vos amis yon famille yon façon pour capable aider nous grandir communauté Chanel si là. Et ben nous pas perdre trop de temps, nous prenons la gona édition La Voix de l'Amérique là et n'a tourné notre titre qui pas trop long pour ce détail dans yon petit moment. Mais ici aux États-Unis, gros nouvelle là, c'est bateau ça qui la cause effondrement yon gros pont dans Baltimore dans état Maryland, ça qui la cause que transport et maritime dans zone là campé. Gien gentil Augustin Junior qui suit pour nous de très près dossier ça. Yon bateau kap pote conteneur frappé pont principal Baltimore. En van li te fait clair jodi mardi 26 mars 2024 là. Ça qui la cause pont en tombé et pou pipiti 7 machines ak moun plongé nan fond rivière Patapsco d'après autorité yo. Mwen gen intention pour gouvernement fédéral là payer toute dépense pour reconstruire pont ça et mwen espérer que Congrès a appuyé effort mwen yo. Président Joe Biden te parlé ak pep américain yan après drame Baltimore et te voyé sympathie pour victime yo, famille victime yo ak tout travailleur qui toujours utilise pont ça pour aller chercher la vie et demander équipe lien pour déplacer ciel là à terre pour réouvrir port et puis reconstruire pont aussitôt que ça possible. Bien bonnet nan matin, après collision bateau ak pont Baltimore, gouverneur Baltimore te parlé ak population. This morning, matin yon, état nou an sous choc. Et mwen vle pren moment sa pou m parler directement ak moun nan état nou an. Mwen vle di premier secouriste nou yo ke mwen impressionné pou courage yo. Mwen impressionné pou force yo, mwen impressionné pou tout sa yo fè pou nou chak. Yo te wè yon crise et puis yo te di, ki sa nou ka fè pou aider. Et puis équipe réponse nou yo a fait tout sa yo capable pou joine et sauver victime yo. Gouverneur Maryland nan Westmore pendant t'a parlé dans Baltimore après pont principal ville la tombé mardi 26 mars là t'es dit pas gain aucune preuve qui montre terroriste t'es joué un rôle dans effondrement. Autorité Baltimore yo t'es dit au moins 7 machines avec plusieurs monde t'es plongé dans rivière Patapsco et secouriste yo t'es déjà retiré au moins 2 civils. Déjà jeudi mardi a t'a capi mauvais effondrement yon pont américain depuis l'année 2007. David Knight, conseiller et spécialiste dans une institution génie civil, déclaré. Période de construction, prend probablement alentour 18 mois ou bien de l'année. Gouverneur Maryland, Westmore, te déclaré un état d'urgence pour déployer bien vite ressources fédérales pour faire face à l'urgence. Gatcote États-Unis te rapporté effondrement zone INE 27 dans matin. Après bateau qui portait conteneur, qui te gagné drapeau Singapour, te frappé pont métallique Baltimore. Pont principal Baltimore, c'est une estructure 4 lignes qui chita sous 56 mètres en haut rivière. Ouvri dans l'année 1977 et li traversé la rivière Patapsco. Pour ça, porté nom auteur hymne national américain Francis Scott Key. D'après autorité transport Maryland, chaque année 11.3 millions machines traversent pont ça sous I-695 qui entoure Baltimore, qui aurait le tout Baltimore Beltway. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole.
Donc c'est pratiquement un accident, un événement qui a un pile impact sur les États-Unis parce que pont ça permet qu'il y ait plusieurs côtés aux États-Unis et il permet tout un pile commerce fait. Donc c'est un pile causé avec effondrement. Ça veut dire que le gouverneur et Maryland, en parlant de Westmore, il parlait avec vice-président américain Kamala Harris et avec président Joe Biden. Donc il y a l'autre développement encore qui a fait sous événement ça. Eh bien, Napkembe Yoko. L'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est Sénégal qui pral gagner un nouveau président en attendant que yo proclamé résultat officiel yo en la loi sa vie près. Pays Sénégal a paré pour commencer une expérience politique tout neuf avec élection Bassirou Diomaye Faye qui promet un gouvernement vivre ensemble. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Monsieur Faye, qui gagne 44 ans, qui fait que sorti de la prison soit environ 10 jours, tout n'est plus jeune président dans toute l'histoire Sénégal qui gagne 18 millions d'habitants. Nouveau élu a voué une garantie par la communauté internationale. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Amadou Ba, qui est candidat à pouvoir, lui-même, lui félicite le déroulement élection et le salue victoire adversaire. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. L'élection s'est déroulée après 3 années d'agitation sans incident. Nouveau élu a que présenté comme un politicien anti-système, recevoir compliments plusieurs pays parmi eux, les États-Unis n'envoie porte-parole département d'État Matthew Miller. Nous pas attendre pour nous féliciter nouveau président Sénégal là, les résultats va officiel. Population sénégalaise là exprimé un pile contentement et yo bat bravo pour victoire électorale ça qui pour yo c'est un coupé fâché avec ancien pratique. Bon, au niveau de la justice, de l'éducation, de la santé et tout ça, c'est un changement que nous voulons. Bon, on a beau souffert 12 ans de souffrance, vraiment ça se fait. Vraiment, on veut un changement radical. Les 12 ans de Macky Sall, on a vécu l'enfer, en fait, si c'est pas trop dire. Bassirou Diomaye Faye, notre actuel président, notre président à partir d'aujourd'hui, il a du chemin à faire. Nous lui souhaitons bon vent. Nouveau président élu à Bassirou Diomaye Faye, qui obtient le résultat officiel, a bien pour remplacer le président Macky Sall, qui se fait 2 mandats dans tête Sénégal. Et donc, il y a une situation que nous avons supposé parce que y a gain pour bail résultat élection d'ici fin semaine. On a retourné dans l'actualité ici aux États-Unis. Cour suprême a attendu un procès sur un médicament pour faire dilatation jeudi. Sandra Lemaire dit nous, décision juge là, t'as capable d'avoir un impact sur fi tout partout aux États-Unis. Sandra Lemaire. Cour suprême États-Unis a considéré un nouveau procès qui gagne pour ouais avec dilatation qui affectait filles tout partout aux États-Unis. Opposant doit madame Yogayen pour jeter petite, voulait pour Cour suprême ratifier décision en cours d'appel fédéral conservateur de prend qui t'a limité accès à un médicament qui relait mifepristone que yoté servi dans 2/3 cas dilatation année passée. À. Procès a déroulé 2 ans après Cour suprême t'a renversé décision Roe versus Wade là qui t'a permis plusieurs États républicains à diriger imposer restrictions sévères sous droit fi gagnant pour jeter petite. Manifestants pro anti dilatation t'est rassemblé devant Cour suprême non, pour exprimer opinion yo. Bethany Van Kempen Saravia v'lait dit Cour suprême non, médicament mifepristone non, su. We are here to boldly defend and tell the court that this medication is safe, that abortion is healthy. L'édicat ça c'est bon Jean Bloff. Médicament su et mon a utilisé depuis des dizaines d'années. Implication pour ça ça pas ta capable pi extrême et arriver pi loin. Quel que soit ça juge yo dit, quel que soit ça tribunal yo dit, mon pral toujours joindre moyen acheter médicaments pour jeter pitié. Mon capable faire dilatation en dehors système soins santé officiel là de façon qui sûr. Fi qui gérer dilatation pour continuer capable faire en sécurité. Dilatation avec pilule su. Mon ka recevoir soin à dignité quel que soit ça tribunal l'a dit jodia. Savannah DeReich lui-même, c'est membre groupe étudiant pour Action La Vie. Li kwè mifepristone causé dommage pour santé femme ak ti moun. Li di mwen la jodi a parce que faut que nous suspendons vendre médicaments pour faire dilatation en ligne qui a blessé non seulement filles mais ti moun. Le dommage de l'eau n'a pas affecté environnement nous et écosystème nous en général. Faut que nous remettions sauvegarde en place et puis gérer aux pratiques qui non seulement touye femmes mais ti moun nous tout. Cour suprême n'a gagné pour prononcer décision en fin mois de juin. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Question avortement ou bien dilatation, eh bien, très présent dans la politique là aux États-Unis et même dans l'élection qui pral dérouler là, on est 2024 là, son élection ici aux États-Unis. Donc, question avortement, dilatation, pral dans centre débat. Ou sous VOA Creole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne.
Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti. Un passe pour conseil présidentiel transition avec mésentente interne et puis semblier démission, bien retrait quelques membres. Et dernière, c'est René Jean Jumeau. Yves Manuel, c'est correspondant de Port-au-Prince. Désaccord entre membres conseil présidentiel yo entravé transition politique là dans pays d'Haïti. Il y a plus passé 2 semaines depuis docteur Ariel Henry accepté céder pouvoir à un conseil présidentiel transition. Cependant, conseil ça qui est composé de 7 membres qui sorti dans principale force politique en pays, hein, secteur privé avec 2 observateurs pour arriver entendre yo sur marche à suivre là. Après plusieurs jours négociations, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc ou Louis Gérald Gilles déclaré yo candidat, mais élection pour élu président conseil là pas arrivé faite, Jean Saté prévoit dans soirée lundi. 9 membres yo pas réunis non plus avec représentant CARICOM yo, organisation régionale qui chargé pour superviser négociations. Contre toute attente, bureau suivi à Comontana mandé dans une correspondance à conseil présidentiel là pour reporter élection yo côté l'évoqué abstention accord politique clair sous transition. Parallèlement, René Jean Jumeau rent est désigné dans conseil là démissionné à cause selon Salzil pas gain droit de vote. Ce deuxième désistement en 24 heures après remplacement Dominique Dupuis par Smith Augustin. Montana a mené 72 heures pour définir un accord politique avec modalité fonctionnement conseil. Toutefois, pour le moment, pas de rencontre qui est fixée entre conseiller présidentiel et CARICOM en raison de désaccords qui persistaient sur le droit de vote dans le conseil. Pendant que dirigeant a tenté de faire temps passer, situation paysan pas suspend détériorer côté divers pays tant que Canada, la France, la Chine, l'Union européenne, États-Unis et République dominicaine continuent à évacuer personnel diplomatique sans compter citoyens qui ont gagné dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, TV Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps, nèg amé yo même yo pas chômé et c'est comme ça hier lundi a bandi saccagé en pile business qui nan rue Monseigneur Guillou nan Port-au-Prince Massadoville mete fond viron. Bandi qui fait partie vivre ensemble yo, yon estricti qui réunit tout groupe civil amé yo, pillé et puis mete difé nan pifo clinique pharmacie à Kekai qui nan rue Monseigneur Guillou tout près l'hôpital Université l'État haïtien yo relé tout l'hôpital général. Policar Jean-Yves qui gagne 37 l'année depuis l'a évolué dans Rimon Seguiou, c'est un monde qui sorti victime dans Zak Brigandaï, monsieur vivant sans mieux. Car il a te gagne petit business là-dedans, toute bagaille, c'est l'a embrassé depuis en 87. Je dis à un seul jour perdu toute bagaille. Vous comprenez? Pas me le dit. Également même pour compte pas me pas pas ça me dit pas combien me perdu. Me pas penser peut-être bon l'hôpital général dans bouche palais national si me dans état ça. C'est une nan bagay qui était bon moi assurance, m'pa jamais penser parce que me tout le monde t'a pourri me dit bon me fait tête moins fouette parce que me pensais me t'ai bon l'hôpital, me pensais t'ai grande sécurité. C'est sim là, mais parlait, me pensais t'a gon au moins on 20% en sécurité à la fond zéro. N'a rappelé, c'est depuis 29 février passé à gang assiégé capitale là. Côté bureau administratif, l'hôpital, banque commerciale, l'école, commissariat pour citer ça ou seulement cyber attaque groupe civil améo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado filmé pour VOA Créole. Nous retournons dans le dossier politique là, yon leader politique critique communauté internationale là, à groupe acteur qui voulait coûte que coûte installer yon conseil présidentiel de transition dans tête pays. Détail avec Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Gouvernement collégial yon, dans l'histoire de notre pays, yon pas jamais réussi de 1956 à 86, gouvernement collégial yon pas jamais réussi. C'est l'échec en échec. Ancien député Serge Jean-Louis qui dit que gouvernement collégial yon pas jamais réussi, lui précisait que pas gagné aucune possibilité pour conseil présidentiel transition réussit tout. Les encourager acteurs yo prend route cour cassation. Ça capèche dans la cour de cassation. Nous pour juge qui régulièrement nommé. Nous mettez président Haïti go culture présidentialiste son monde qui n'a parlé là. Chaque fois le collège présidentiel c'est pas moi pas inventer l'histoire, il pas jamais marché. Après 3 mois le craser et me te dit monsieur ça l'autre jour. On pas besoin un politologue avancé, on est qui doctorat en sciences politiques pour comprendre ça m'a dit. Pour qu'elle maïsa pour elle. Quand elle maïsa oui, pour mon gars là dedans. Yo sont dans même parti. Ils ont fait campagne électorale ensemble. Ils ont même idéologie. Après toi, ma cartelle l'a éclaté. Au cartel magistral, oui, un jeu, pas de détail. Mais ça, mais voir sept présidents. En plus de ça, ancien député Serge Jean-Louis, qui est leader coalition politique Force nationale pour démocratie, FND, avec membre congrès Wanamet pour une nouvelle Haïti, exprimer des accords avec des marches CARICOM. Non, parce que. Donc, pourquoi on recule ça? Il va faire élection pour Matisse. Non, il va faire élection contre moi, comme compétiteur. Alors que là, on a une démarche démocratique, on a une compétition, on a une démarche concurrentielle. Et la concurrence doit être loyale. Mais là, vous mettez un bout qui chef de parti président, ou non concurrence déloyale. Et ma tout dit international là, ça. De pour entrer dans des matchs, ça va entrer dans des matchs pour un processus qui a contesté à la base. Parce que pièce dirigeant politique qui a accepté, ou chef de parti vient président. Si chef de parti a besoin de président, c'est pour le candidat. Pour le candidat, pour le faire campagne. Dans sept présidents, si vous voulez le président, elle fait campagne électorale. Elle déclare non parti politique ou le candidat. Le candidat va faire campagne, ou vient président de la République, là, ça va avoir un mandat 5 ans. Mais ce n'est pas où libre pour prendre pour venir président dans le collège présidentiel, 7 têtes. Et vous dites 7 millions, pas 7 présidents. Si vous ne voulez pas me dire ça, vous avez changé
adjectif qualificatif là, ou appelé dans l'autre qualificatif, les amis pas 17 présidents. Pendant ce temps, communauté internationale, via CARICOM, a travaillé avec acteurs politiques haïtiens pour voir dans quelle mesure, incessamment, ils sont capables d'installer le conseil présidentiel transition. Ils ont dossier à suivre. Ou en Toussaint, prouvé ou à Creole, Port-au-Prince. Et puis pendant une situation dramatique ça a déroulé dans le pays d'Haïti, la République dominicaine même n'est pas campée sous déportation haïtienne qui a vécu sans papier sous territoire dominicain, bien que gagnant monde qui a défendu droit monde et militant droit monde, même Jean-Aubert, il a fait pression pour autorité dominicaine t'a même campé sous des massa et Jean-Aubert Philippe c'était envoyé spécial en République dominicaine. Jean-Aubert, qui j'en ressens? Effectivement, Jacqueline, d'après même déclaration que l'autorité dominicaine a fait, en particulier le président Balaguer, il dit pression a sorti de tous côtés. Ce n'est pas seulement dans les Nations Unies, mais il y a l'autre pays tout, qui a mis pression sur lui tout pour l'ouvrir, frontière, pour construire ça, les camps réfugiés pour accueillir Haïtiens. Alors, son bagage qui n'a pas fait l'unanimité en République dominicaine, et même là que nos périodes électorales, mais que toute partie qui concerne eux et la population, mais groupe pression, mais eux même toujours pas d'accord avec l'idée. Pour le week-end, pour les réfugiés haïtiens. Mais en tout cas, ça va empêcher que les déportations continuent de côté et en même temps, l'évacuation a sorti dans le pays d'Haïti pour aller le week-end pour que les gens soient bloqués pour qu'ils puissent aller dans la destination finale. La relation entre la République dominicaine avec Haïti n'a pas semblé améliorée à cause de la crise que le pays d'Haïti a traversée depuis plusieurs années. C'est pour ça que l'autorité dominicaine continue à déporter les haïtiens qui vivent dans le pays sans document légal. Malgré les demandes, il y a des Nations Unies faites pour les pays dans la région campés sous déportation. Ancien ministre haïtien qui vivent dans la diaspora et d'une part raison, les États-Unis, Bahamas, à l'autre pays dans la région. Tant que la République dominicaine doit tendre appel qui lancé pour camper sur déportation haïtien, soit qu'à vivre ou bien qu'à chercher à la caillou sans document légal. Et non seulement c'est nous autres de la Fondation, sinon des organismes internationaux, concours le ACR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et tant que Commission droits de l'homme de l'ONU, et des organismes, on a dit qu'il y a beaucoup plus de poids que nous-mêmes, anti-organisation binationale, et qui attirent l'attention, et non seulement de la République dominicaine, sinon des différents pays qui, journée aujourd'hui à la, pour qu'on prenne en considération les recommandations de ces organismes internationaux pour camper la patrimoine. Parce que Lionel Charles, un membre de la société civile haïtienne en République dominicaine, parlait de nécessité pour l'autorité dominicaine de changer de façon et de traiter les haïtiens qui vivent la caillou. Chaque fois, les Nations Unies, chaque fois, l'OEA parlait pour demander pour camper la déportation dans le pays, c'est chaque fois tout où ils ont intensifié avec les forces de déportation. Déportation, ils ont l'autre partie là-dedans. Ce n'est pas agent immigration qui a marché chez nous, mais c'est toute police militaire. Depuis qu'ils ont joué dans la rue, ils ont arrêté. Mais ils ont question de l'argent là-dedans. Mais ils ont fait l'argent, ils ont ramassé les gens, ils ont dépouillé chaque grand haïtien qui a marché dans la rue. S'il n'y a pas 20 000 personnes en poche, il y a un problème. Un groupe dominicain manifesté contre demande pour haïtiens qui viennent chercher refuge de la CAIO. Ou il fait vivre la CECA, directeur mouvement Nouveau Trinitario, dans tel mouvement qui rejette les demandes des Nations Unies. La doña ONU a venu ici et a pedido a nosotros que refugiemos con una ley de refugiados a los 12 millones de haïtiens qui se encuentran supuestamente en péril en Haïti. Pero usted se imagina, amigo mío, si a los 11 millones de haïtiens le damos ley de refugiados, que tengan derecho a venir para acá como refugiados, 11 millions de haïtiens para l'Haïti, sous 11 millions de dominicains qui déjà vivent dans le pays, et si eux même ont droit, les dominicains ont droit politique, et bien haïtiens ont pas le droit politique là, et bien un jour, au chef président dominicain, capable d'un haïtien. Pour responsable là, réponse c'est non et non. L'ONU a passé sous cadavre d'abord, avant de réaliser le projet. Ça va bien entendre le président dominicain Luis Abinader déclarer par un journaliste que les papes construit aucun camp réfugié sous territoire pour accueillir les réfugiés haïtiens. Jean-Aubert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Aubert Philippe et puis bon retour. Plusieurs citoyens haïtiens en état Georgie réagissent sous crise politique haïtienne. Yomi Janit gagne détail. Création yon conseil présidentiel, yon force multinationale qui pouvine mettre la paix, alliance en Moïse Jean-Charles Agui Philippe qui finit en que poisson, c'est sujet sa yon ka fait actualité dans la communauté haïtienne là, dans diaspora. Quelques citoyens VOA Creole te rencontré, te bay opinion yo sou situation pays ya. C'est pas bon pour pays, c'est pas bon pour nous. D'ailleurs, un conseil qui vient là qui dit que c'est pour nous d'accord pour blanc entrer dans pays. Moi-même opposé à ça. M'opposé pour tout le monde qui non international là qui sont forces militaires puis les pays papa de Salina parce que nous te goumé pour mettre monde ça d'ailleurs nous même encore on va chercher une façon pour mener retourner Haïti gagne un seul problème et problème Haïti c'est haïtien donc tout autant que haïtien pas cachita ak haïtien pour dire on nous chercher et joindre une base minimale d'entente
pas gagner aucun moyen pour nous sortir dans ça nous hier et pas gagner monde qui sortir à l'étranger pour faire le nom c'est nous qui pour faire et moi même personnellement et à souhaité que force internationale qui rentre en son force qui là pour assister haïtien force qui gagne en Haïti assister aider et puis encadrer et l'autre jeune plus les gens un jour pour permettre et ça améliorer ça n'a pas gardé ça n'a pas tendé des crises pays d'Haïti mon cher c'était chargé. Normalement, comme nous avons des dispositions qu'à prendre, et des mouvements qu'à fait pour qu'on mette en place qui fait pour le pays, j'espère que ça qu'à fait, il y aura aller mieux. Et puis, par exemple, on est ensemble, et puis, on est capable de une solution avec la crise qui a passé dans ce moment-là. Pour Pasteur Mackinson, dissolution Alliance Sénateur Moïse Jean-Charles Agui Philippe-là montre comment Haïtien n'a pas entendu pour bien-être pays. Moïse Jean-Charles, je commence à content de ça que tu as fait là, mais lorsque je m'apprends qu'on est ça, ça déchire quand même. Pour moi, vraiment, je veux dire Haïtien n'a pas mis tête ensemble. Des haïtiens pas qu'à aller aucun côté. Des haïtiens pas qu'à dire n'a pas fond bagaille. Même si nous pas faire pour bien personnel, intérêt personnel, mais pour sauver Haïti. Juste pour retirer Haïti dans sa lié. Yormi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Et puis, c'est aux États-Unis, agent spécialisé département sécurité intérieure, aime fouiller deux résidences. Et PDD, et Rodriguez, des détails. Agent département sécurité intérieure États-Unis ouvre une enquête sur vedette hip-hop américain Sean Diddy Combs. Côté au fouillé résidence privée dans la ville Los Angeles avec ville Miami Beach, d'après sa autorité, au fait connaître hier lundi. C'est Branch New York, unité d'investigation département, qui a dirigé l'enquête sur là. Côté un ancien ménager à vedette, la détention poursuite judiciaire contre lui pour trafic sexuel. Sur le palais, M. Combs, 54 ans, dit lui innocent et que l'accusateur est lié, c'est monde qui a cherché l'argent rapide. Avocat défense artiste là, Ben Braffman, qui est basé dans New York, pour qu'on fasse aucun commentaire sur question. Station de télévision locale dans la ville de Los Angeles a utilisé vidéo enregistrée depuis en l'air qui montre agent unité enquête à policiers pendant qu'il a fait descendre de lieu dans la région Holming Hills, un quartier l'élite dans Los Angeles. Station de télévision a rapporté que l'autorité fédérale a présenté un mandat de perquisition dans la résidence dans Miami Beach. Monde kawé agent capoté boîte chargée avec matériel dans le local. Personne ne connaît qui côté chante de comme c'était dans le moment de descendre de lieu. A tapé déroulé la caille. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci, Oligas. Et puis, jeudi, c'est anniversaire Valério Saint-Louis. Un pile champagne, un pile cola, un pile gâteau. Maintenant, tu profites tout. Manger tom-tom, Luxon Saint-Ville. Il était habillé tout de blanc et il était sorti tout côté Florida pour venir Pompano Beach pour participer à l'activité ça. Valer ou bien manger tom-tom. Participer, il dit qu'il était bien joué moment qui fait rappeler au Haïti. Vraiment, vraiment apprécié. Pour qui ça? Surtout, ça qui a passé dans le pays, nous, Kounia, ou qui a dit que ça a une bonne sensation de la caille. Ou pas qu'à manger tom-tom, même joie manger. Maïmoulin avec aranso, même je vais manger une banane pouillac avec arancel fricassé ou pas capable de changer Haïti. Ça a appelé enfance, même sur l'école, je vais courir monter sur table pour moi. Est-ce que c'est ton maman fait jeudi? Encore une fois, jeudi, pendant que je mange là, donc ça a appelé enfance, ça a appelé un paquet de bagailles, tradition qui est dans la famille, tradition qui est dans le pays. Comme maître cérémonie, mais tout comme nec Jérémy natif natal, journaliste James Pierre Dinou, c'était un moment extraordinaire. Chaque bouchée tom-tom que je prends, c'est à coup vraiment sentir la caille. Et ça montre que même là que nous pas Haïti, Haïti toujours été connecté à nous-mêmes, Haïti toujours en dedans. Activité ça a été déroulée en présence de divers invités et spéciales, tant que Yol De Rose, Annie Alert, et comédienne Maya Ferry. Chanteuse Annie Alert, qui n'était pas liée à lui après l'événement, pas caché contentement, et lui dit qu'il est attaché à tout ça qui a rapport à Haïti. Eh bien, c'est haïtien, mieux de pousser haïtien, manger tonton, manger l'âme avec Kalal ou Gombo. C'est pas une question de mon Jérémy là. Non, de pousser mon Haïti, c'est mon tout côté, ou c'est mon au cap, c'est mon Jérémy, c'est mon au caille. Moi, depuis que j'ai un rapport avec Haïti, c'est moi, ma papa. Babé, qu'on est côté, me sorti. Pour qui ça y a une activité pour mettre Tom Tom en valeur aux États-Unis, Darlene Delis, mon Jérémy, c'est organisatrice événement. Moi, je fais ça parce que moi, je voulais plus de monde connaître le tom-tom. Parce que non seulement le tom-tom sont mangés local, c'est un manger nutritionnel, et puis sont mangés qui ont un paquet d'histoires derrière. Parce que c'est une belle initiative, là où même on décide de venir avec un bagage, l'autre on adapte li, et que quand on a déplacé, on va le faire plusieurs côtés. Que n'est pas prêté là, son seul objectif lié est tom-tom international. Tom-tom, Tekova, une activité qui a pu faire tout dans Philadelphia, Chicago, à Indianapolis. Dada's Cuisine, déjà joué une invitation pour porter tom-tom dans le pays la France, et dans le pays Canada. Depuis Pompano Beach, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville. L'autre information que nous portons pour et bien nous aller dans le dossier conseil présidentiel créé là, et bien pour quoi là qui passe, il se patiner dans le dernier jour ça ou là. Les n'a pas gardé conseil là, et bien l'assemblée tout avec force mission multinationale qui gagne pour deux ans là depuis la patiner qui pourtant rentrer dans le pays d'Haïti. Dans une note qui publié hier mardi 26 mars 2024 là, et bien rassemblement pour un accord national qui pourtant nommé, et bien yon nommé agronome Régine Abraham nan tête conseil présidentiel et bien transition lui-même
qui t'a doué fait ou bien qui t'a doué installé malgré nous pour que j'aime capable connaître qui date. Et bien après démission docteur René Jean Jumeau, et bien c'est belle madame c'est là yo même yo nommé dans tête conseil là, et bien pour t'a fait partie rien. Pourquoi elle est là rien lui-même li obligé à changer rien à changer aider à changer, et bien nous pour qu'on ait qui côté dossier ça va aller les mêmes ces changements qu'a fait matin midi soir dans dossier créé présidentiel les mêmes qui te doit installer côté te bail 48 temps pourquoi il est là l'assemblée c'est 48 mois que te bail et grand pile monde qui fait connait conseil ça même li pas chambre installer parce que li pas bon. Y a l'autre côté dans pays d'Haïti n'a faut connait ex président chambre député que nous tout connait qui c'est Charles Chancy, et bien il est arrivé joindre libération li. Eh bien Charles Chancy lui-même qui gagne environ 2 mois depuis l'étape prenti prison, eh bien jeudi mercredi 27 mars 2024 là après juge Belab lui-même il était fin fait interview avec lui avocat lui même il t'a demandé main levée pour lui pas oublier c'est juge Aldiniel dimanche lui-même qui t'a arrêté citoyen si là pour vol matériel CND. Eh bien il prend 2 mois environ en prison parce que c'est vrai qu'il est passé depuis dans mois janvier nèg yo même yo utiliser une stratégie. Eh bien pourquoi il est là yo la gueule sans juge Aldiniel lui-même li pa di rien sous dossier si la nèg yo volé yo madame immédiatement yo prend ou bien yo ta tombé dans prison. Eh bien ou tande toute maladie même jan pour madame Edwin Tonton qui poko pon ti prison là pour sibi peine pour saleté qu'on fait. Eh bien yo getan a plein que li malade eh bien selon ça yo fait qu'on est sous ancien député Charles Chancy lui-même li jwenn libération jeudi mercredi à là. Et bien c'est parce que santé lui-même li pas ta fin kodjom. Et bien santé ancien président chambre sénat lui-même li pas trop kodjom, c'est ça information ou fait connait, c'est une nan raison qui ta cause que juge Belab lui-même li libéré ancien député qui c'est pas juge là lui-même qui t'est arrêté toi. Et bien jisi la li metel de yo pou li la li libre s'entendre à la obtendre libre provisoire même j'ai été fait avec un certain de Stéphanie. Et bien Stéphanie était libéré pour timoun piti nous pas chambre entendre parler de Stéphanie encore lui même dans dossier prison ou bien était libéré pour tête lui même état santé petit li terminé qui pas capable vivre sans maman pour être capable al balette. Et bien li aller pour ni Stéphanie bay tout moun lettre. Et bien yo pas chambre arrêter Stéphanie encore. Parti politique ou FA qui c'est parti politique Union Force Progressiste Haïtien qui rentre ou FA, et bien yo écrit secrétaire d'État américain Anthony Blinken sous crise qui a traversé pays d'Haïti qui donc Union des Forces Progressistes Haïtiennes lui-même yo écrit cela côté Union Force Progressiste Haïtienne qui représenté sous nom ou FA. Et bien qui c'est un parti politique qui même yo adressé yo dans une lettre 20 mars qui sont passé à la 20 mars 2024 là à côté yo écrit secrétaire d'état américain qui c'est mouché Anthony Blinken pour présenter la situation grave que pays d'Haïti lui-même l'a fait face là. Et bien lettre cela lui-même qui parti comme ça prend position contre option conseil présidentiel là et tout fait une proposition sortie crise yo estimé qui pas bon pour pays a dit tout et en pile monde déjà ouais tout li pas bon dans lettre ça qui pote signati Moléon Richard qui c'est responsable des affaires politiques ou fa li même. Et bien gagnon copie qui yo présenté secrétaire Blinken côté yon tableau sondé des citoyens pays Haïti a crise insécurité plus sociopolitique et économique pays a connaît depuis un bon bout de temps là. Et bien 3 années après assassinat ancien président Jovenel Moïse puis loin yo montré plusieurs propositions communauté internationale là même yo ta fait sans participation acteur haïtien yo même yo fait échec déjà. Et bien pays a lui-même li ka tombé dans une guerre civile qui pral grave en pile pour image Amérique là à cause des affrontements trois pouvoirs l'état ça yo. Et bien pour plus loin yo montré plusieurs propositions communauté internationale là lui-même li fait sans participation échec haïtien yo là-dedans acteur haïtien yo. Et bien yo avancé pour yo dit yo pas quoi conseil présidentiel CARICOM dans lui-même là supporter a capable réussir bayon sou
une solution avec crise multidimensionnelle et bien l'a fait face dans dernier jour ça yo pour ne pas dire dernier mois ça yo n'a pas le 29 mars cap vin là et bien l'a déjà fait un mois depuis pays a les même li pas connait en rien côté banque majorité banque yo même yo fermé et n'a vin avec pour plus devant détail de dollars américains cap monter et bien pas gain banque ouvri comment dollar fait monter nous pas connait n'a vin avec détail pour et bien yo avancé yo même pour yo di nan yon sondaj yo ke yo realize yo jwenn environ 64% moun di yo estime choix sa pour ta gen yon conseil présidentiel la et bien yon président nan la cour de cassation et puis choisi yon premier ministre consensus et bien bay plus résultat et tout la pi près constitution pays d'Haïti et bien parti politique ou fa li même li di li même li inscrit nan démarche coup de cassation li même côté yo ta doué appliquer article 149 constitution 20 mars 1989 là et bien n'a signalé jusqu'à présent conseil présidentiel là tout nan impasse pendant crise là li même l'a aggravé puis plus après environ 3 semaines et bien des annonces démission premier ministre Ariel Henry li même nan tête pourquoi li là information toujours a continuer montrer que dossier qui vient pour avec dossier conseil présidentiel là li continue à effondrer pays à lui-même li pas capable supporter encore côté tout le monde c'est relé après l'amri et n'a pas le sac pire de là pour en pile monde qui rencontre ça yo trouvé ça vraiment bizarre c'est problème dollar américain dans moment là pas gain banque dans pays d'Haïti et bien banque là les mêmes yo fermé BRH fermé comment dollar fait monter et bien nous pas connait et pour en pile monde tout yo fait connait et bien nèg qui ta gain remote control dollar américain ta assemblé les mêmes il prend hélicoptère dans Pétionville et bien il lague pile et bien pourquoi il est là nous mêmes c'est vivre na vivre côté aéroport fermé pour eux même yo fermé pas gain aucun douane qui ouvre marchandise pas sorti dans province pour entrer dans capitale et bien grande ratiboisé tout ça t'a fonctionné dans pays yo même yo campé et bien à qui ça et bien qui te kon monter dollar américain ça si là et bien c'était un remote semblé qui te gagné côté c'est avec nèg yo même yo monter dollar américain parce que pas grand rien qui a fonctionné et montant des dollars lui même là n'cap monter la monter côté le passé Port-au-Prince rien pas rentrer machine qui t'a pour sortir en dehors rentrer avec bagaille yo pas rentrer banque nationale pays yo fermé et bien pourquoi les là dollar continuer à monter la prend monde et bien yo pas connait comment tout des champs là lui même ni sorti si BRH fermé et bien côté dollar passé le monter t'a semblé le vol li monte le volé pour col sans moun pas fait rien pas gain aucun commerce cap marché dans pays ya et ben dollar américain li même li continuer à monter et dak montre tout pays ya li mêlé les n'a regarder dossier qui gain pour parti politique pas gain affaire en face dans pays d'Haïti c'est seul côté l'a regarder pour qu'on y a Moïse Jean-Charles ensemble Claude Joseph yo inyo dans un conseil Lavalas inyo à tout ennemi et bien nous mêlé pays ya mêlé Haïti politique là c'est intérêt personnel qui compte et bien c'est pas ni bien-être peuple ni honnête comment t'a fait imaginer ou ta ouais journée jodi à la petite Dessaline avec parti politique aidé qui gagne pour dans tête Claude Joseph et puis Moïse Jean-Charles lui-même qui t'a fait peuple là quoi que y a goumé avec équipe accord 21 décembre qui Ariel Henry l'était éclairé qui pas trop longtemps yo pas d'accord causé 21 décembre là et bien yo vinn faire alliance avec même adversaire ça qui yo même yo estimé et qui dit que yo tap soucé dans pouvoir et bien ça besoin le faire soucé par yo tout ou bien nous pas ka quoi là-dedans ou pas jamais ka joindre nos politiciens haïtiens si tout dans dernier jour ça yo là pour faire confiance à 90% parce que toutes ces mesdames toutes ces intérêts personnels yo même y a géré parti politique là on met le tap goumé avec un autre matin midi soir là et bien depuis intérêt pas tomber li bilier si on était en bataille ensemble parce que à 21 décembre Claude Joseph Moïse Jean-Charles yo pas vle tande de parler parole si là yo même tout ini là comme Montana tout accord tout semblé tout finish yo font seul quoi et ben son tande ya yo pral commencer soucé sans peuple n'a quitté nouvelle là sur les plans local pour nous rentrer dans international là dans pays États-Unis et ben n'a faut qu'on ait gagné 481 organisation yo même yo mélangé avec plusieurs avocats dans domaine immigration et bien yo t'est arrivé écrit en lettre AMA Diala avec administration Biden na pour yo mandeli pour yo prolonger ou bien pour yo prolongation ta fait dans TPS
pour haïtiens yo organisation yo même yo profiter mandé responsable sécurité intérêt américain les mêmes pour yo capable qui gagne en tête les sec majeur casse et bien pour eux même yo augmenter limite 30 000 moun par mois dans programme Biden nan, parce que yo était capable prendre plus moun toujours par mois mais question limite là les mêmes les retarder programme Biden nan. C'est ça organisation yo même yo mettez côté yo écrit Biden yon responsable dans département sécurité intérieur américain dit y a suivre situation et eh bien qui gagne qui passe ici tout dans pays d'Haïti là avec en pile attention sous ce qui publié information ça et eh bien n'a faut connaître ce journal américain qui c'est journal Miami Herald pourquoi il est là américain a dégagé yo pour retirer tout haïtien malgré nous même nous va konn côté n'a prendre tout haïtien qui est là y a dégagé pour yo prendre l'a regarder Haïti américain vient chercher américain pareil yo français yo même yo vient chercher français pareil yo Canada vient chercher canadien pareil yo tout ambassade yo même yo bien sécurisé après malgré au fin prend citoyen yo sécurisé au coup d'emblée tout ça gain comme yo prend hélicoptère dans Pétionville yo là c'est bonne république dominicaine qu'on y a vient gain hélicoptère tout cap promener au cap haïtien pour capable quitter pays a et bien haïtien yo même qui n'a classe défa vous y a yo continuer yo n'a manger l'autre côté haïtien yo continuer à manger haïtien pareil yo pendant nous ouais c'est nous celle qui rete batoa déjà finalé nous ta supposé rete chercher pour nous vivre pour nous comprendre l'autre et mais pourquoi gain ça pourquoi elle là c'est toujours dossier chez haïtien haïtien yo continuer à prendre frappe nèg exam yo continuer à attaquer malheureux malgré yo te fait connait yo pral attaquer grand nèg mais pour en pile monde pourquoi elle là pourquoi gain aucun grand nèg vous qui prend aucun frappe nèg yo c'est continuer frappe petit malheureux monde qui pas ka manger yo monde qui dans classe défavorisé yo c'est eux même qui prend frappe barbecue continuer à parler iso continuer à parler l'amour sans yo fait qu'on elle pour l'attaquer hélicoptère et Martinez yo paye hélicoptère yo passé qui yo déjà connait depuis yo tire son hélicoptère qui ça ca venir qui donc c'est nèg à pied yo continuer yo même y a pas problème n'a rappelé tout dossier insécurité avec la police continue à faire bon travail là côté police si moi té tombé a et bien nèg yo là yo sécurisé carrefour ça grand pile blindé côté information fait qu'on est pendant journée hier là et bien chef gang qui les chalet a bien si c'est pas de barbecue bien rapide littéralement couri mandé renfort pour venir sécuriser et bien Charlet lui-même dit t'as passé dans un mauvais moment en bas police nationale là parce que blindé a été déjà c'est Charlet Charlet pas de gain ou de pas boire qui rentre caché mais caché la police lui-même yo il est bako pas mini et bien pendant yo t'a pété coup de balle avec nèg Charlet Charlet lui-même lire les barbecue côté nèg yo té mi pas trop longtemps là pas trop longtemps Charlet était besoin tout et barbecue et bien pendant journée hier là information qui fait quoi c'est barbecue lui-même qui était porté renfort et rivé à renfort et bien nèg yo té cerné char la police là en bas balle côté policier yo même yo té obligé faire back ak char n'a rappelé char ça yo content de nous gagne tout char nous gagne et bien c'est pas bon char blanc ou blanc char qui capable transporter soldat ça veut dire son char pas prendre en balle c'est vrai mais c'est pas un char blindé quoi char qu'on veut qu'ak chaîne yo les yo même yo met bouchon côté n'importe ca n'importe ça rien yo craser ali pas bagaille nèg bandi yo vinn gen yon l'autre stratégie yo fait qui ça yo fait yo meté ensemble côté yo tout a pété balle dans seule direction et rien de char ça nous gagne depuis il prend pile coup de balle lui-même dans seule direction et bien on capable voir problème rivé s'entendre à la pendant barbecue rivé côté tout nèg yo c'est plo balle y a vidé sous char pas pile non seul ensemble yo prépare y a mettre balle ensemble et bien char té obligé reculer pour té inviter que yo même yo pas tal bail pour parce que bandi yo même li toujours rivé même rien côté là yo mandé renfort yo vienne renfort avant même qui PNH là lui-même li t'a mandé pour le joindre malgré PNH toujours mandé et bien pas arrivé à l'air c'est ça qui la cause en pile police nationale d'Haïti yo même yo perdu la vie yo côté yo mettre mandé renfort pas jamais venu pour quand bandi yo même yo kon arrivé tout et bien c'est ça information fait qu'on est pendant journée là qui sauver Charles c'est par rapport avec renfort barbecue lui-même qui c'est Jimmy Chérizé tout nèg connaît qui c'est chef vivant ensemble là et bien c'est lui même qui porter Charles secou qui t'a rend Charles lui même lui vivant dans moment n'a parlé là parce que la police t'est parti des missions qui ont blindé pour être capable retirer la vie Charles dans pays
Naïb Boukele a ben ap fò konnen gen plis pase 78 000 mab aktif, plusieurs gang yo même yo jwenn arrestation yo. Et bien c'est 3939 zam qui saisi pour une période de 10 l'année sous président Naïb Boukele lui-même côté l'a organisé pays ça et l'a marché bien après qui fait que ça prend un deuxième mandat là et bien selon organe droit monde Amnesty International yo même yo crainte violence gang yo même n'a pas remplacé par viol étatique dans pays ici là Naïb Boukele les qu'on poser la question de ça s'il a fait violation droit monde et bien les mêmes les conditions c'est les mêmes qui pour mettre l'ordre dans pays pour aller la pile là vraiment gain l'ordre qui ont attaqué fait fait là dans pays ici là yon façon yon même gang télévé ou t'arrivé tout des monde et bien tout bien rapide 60 000 soldats avec policiers étaient dérapés et bien sont en déjà la paix déjà portée. Toujours à l'échelle internationale, nous prenons les connaissances dans le pays Brésil. Et bien, il faut connaître le président Emmanuel Macron, lui-même qui est président français, qui a dirigé le pays la France, qui nous dit qu'on est pour parler de la France, pour parler de bon petit pays qui en balle, tout pour pouvoir dire l'Afrique qui est un pile petit pays, tout qui fait partie des organisations, bien des Union européenne, passeport français, et même qui marque le comme ça. Et bien, le président Macron fait une visite. 3 jours dans le pays Brésil, et bien depuis hier, qui était mardi 26 mars 2024, là, il était profité de rencontrer avec homologue qui c'est Lula da Silva, qui c'est président Brésil actuel. Là, et bien, il a lancé un programme qui visait ramasser 1 milliard d'euros d'investissement public privé pour yon dire de 4 l'année dans la forêt Amazonie avec Guyanaise. Là, nous avons tout Guyane lui-même. C'est pays français. Donc, vous prenez Guyane ou passez Guadeloupe, allez, et bien c'est dans le pays français. Pourquoi il est là? Amazonie lui-même, qui c'est une forêt qui est plus gros dans le monde là, pour ne pas dire plus grand forêt dans le monde là lui-même, lui connaît, et bien Lula mettez avec président Emmanuel Macron, yo même yo te fait une visite pendant yo gen pou fè pendant 3 jours et bien hier te youn jodi a fait 2 demain si je vais yo même y a visité Amazonie avec dans zone Guyanaise là les mêmes qui gen forêt côté yo lancé yon programme pour yo capable ramasser 1 milliard euros et bien pendant 4 l'année pour hier c'est là les mêmes l'a dire et bien y a pensé pour faire comme y a pensé pour pays pas bon la caille pas nous nous même c'est pour coller cas parce que nous pouvons connaître qui ça n'a fait dans dossier qui vient pour avec pays c'est tout avant pour nous te gagner pays faut nous ta gagner sécurité et bien insécurité à lui-même il continue là à valer terrain pas bon la caille. L'autre information nous côté pour et bien nous aller directement dans dossier l'argent affectation spéciale Nations Unies prévoit pour mission qui j'ai pour avec mission Kenya ta doit diriger et bien c'est seulement 10.8 millions de dollars américains et bien yo gagné actuellement là pour moment on a parlé à là et bien c'est comme ça qui semblait c'est porte-parole Nations Unies lui-même qui c'est Stéphane Dujarric et bien c'est déclaration ça lui-même qui fait dans micro journaliste Miami Herald lui-même qui c'est Jackie Charles et bien dans un tweet il publié journaliste là lui-même lui rappelé sur une demande humanitaire qui était ont affaire de 674 millions de dollars vet et bien qui fait pour mission et bien c'est seulement 7% yo déjà joine là-dedans. Pourquoi il est là gain 7% nous manquons à faire de 93% dans cop qui ta de bail pour mission si là n'a pas le pays Kenya tout temps comme là pas en bas mais il fait qu'on est pas mettre pied. Mais entendez là si 7% dans mes 10 mois nous connait nous déjà fait n'a pas et bien pour nous allons valer moi encore bon 7% à monter et bien n'a fin mourir net dans pays d'Haïti si toutefois c'est ta mission n'a pas dans mes pays Kenya pour venir commander dans pays d'Haïti si toutefois haïtien ou bien américain pas ta di on pour nous ta joindre une solution et bien nous fait carré mourir à tente mission force multinationale qui ta doit déployer dans pays d'Haïti. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn pi meye façon que ou ka fait ou capable faire senti travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter yon like sur vidéo et le abonner avec channel là tout pas oublier activer cloche notification mettre le sous toute yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous porter yon nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo avec yon ami yon famille yon façon li même pour capable joindre information à tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel là.
n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là. Eh bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger. Eh bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien n'a dit au revoir tout le monde. N'ap rewe encore dans une prochaine vidéo dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.